Salut les tacos Aujourd'hui j'avais envie de vous faire découvrir des sagas assez peu connues. Pour situer leur popularité je me suis aidé du nombre de critiques reçues pour leur premier tome sur Babelio. Celles-ci sont inférieures à 50 contre environ une centaine pour un premier tome de saga plus connu comme Bartimeus ou Fablehaven et très très loin derrière des blockbusters tels Kerragon, Hunger Games ou encore Harry Potter qui en comptent des centaines et des centaines. Je vous propose donc un top 3 de sagas underrated que j'adore. C'est parti Et on commence avec ma saga favorite, Grégor de Suzanne Collins. Grégor est une saga de 5 tomes parue en France entre 2012 et 2013 aux éditions Hachette. On y suit Grégor, jeune garçon de 11 ans, qui vit à New York avec sa famille, sa mère, sa grand-mère et ses deux petites sœurs, Lizzie et Moufle, le seul homme de la maison après la disparition mystérieuse de son père. Du jour au lendemain, grâce à la curiosité de sa petite sœur Moufle, il découvre un monde qui lui était inconnu, la sous-terre, et se voit attribuer un rôle de première importance par ses habitants. Il est le guerrier annoncé par les prophéties de Sandwich. Entre aventures, découvertes, amitié, haine et trahison, Grégor va devoir affronter des créatures gigantesques pour aider et sauver une population qu'il ne connaissait pas quelques heures avant. J'adore cette saga pour ses personnages très touchants et pour ses aventures prenantes. J'aime aussi tout cet aspect relatif aux prophéties. C'est toujours plaisant, ou non, d'imaginer la signification de toutes ces prédictions. Les romans s'adressent à un public jeune de 8-10 ans, mais c'est une lecture que je conseille aussi aux plus vieux, car la complexité des livres et son rythme entraînant peuvent plaire à tous. Ensuite, je vous conseille Les Chroniques des temps obscurs de Michel Pader. La saga est parue en 6 tomes de 2005 à 2010 chez Hachette Édition. 4000 ans avant Jésus-Christ, on suit la vie du jeune Thorac, récemment bouleversé par la disparition soudaine de son pas. Alors qu'il a toujours vécu seul avec son père, loin des clans et des autres hommes, cet événement tragique le met à rude épreuve, car la forêt n'appartient à personne, et un seul faux pas peut lui valoir une altercation avec un clan différent de celui auquel il appartient, le clan du loup. Thorak fera bien de belles rencontres, dont celle avec son frère de meute, loup, mais une menace rose à l'horizon et l'ombre d'une créature maléfique plane sur la forêt. C'est une saga très prenante de par son histoire intrigante et passionnante, de par aussi de la magie qui fait quelques apparitions et du fait de ses personnages attachants et intéressants. On veut savoir ce qui va advenir aux protagonistes et si leur vie rude et emplie de tristes événements aura le droit à un peu d'espoir et aussi à un peu d'amour. Enfin, la dernière saga que je vous conseille, c'est Magic dans une saga en sept tomes, parue de 2005 à 2013 chez Albin Michel dans la collection Huiz. L'histoire se concentre autour de deux jeunes enfants, Septimus et Jenna, rassemblés par les liens de la famille, mais surtout par les liens de l'alchimie. Ces deux apprentis magiciens vont devoir apprendre à maîtriser leurs pouvoir et à user de leur magie contre le mal qui rôde autour d'eux et qui semble ne pas vouloir les lâcher d'une semelle. Cela fait un moment que je n'ai pas lu cette saga, mais j'avais adoré. Ce qui m'avait surtout plu, c'était l'aspect alchimie et les formules magiques sous forme de jeux de mots, qui étaient très très sympathiques, et puis bien sûr les personnages que l'on voit évoluer au fil des romans et de leurs aventures, et j'adore grandir avec les personnages. Donc voilà encore une saga que je vous conseille si vous êtes avide de nouvelles découvertes. Voilà, c'est sur ces recommandations que je termine cette vidéo. Si vous voulez faire d'autres découvertes, je vous invite à jeter un œil à mon Instagram. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager et à vous abonner. Sur ce, à la prochaine, portez-vous bien et bonne lecture les tagos!